Moi, je dis que M. Jovenel Moïse était le bouc émissaire, mais en réalité, ce n'est pas ça que je voulais dire. M. Jovenel Moïse, c'était ça, les cures d'or, c'est-à-dire bois d'or, c'est-à-dire que pour l'opposition, à chaque fois, l'opposition a besoin vraiment d'excuser-moi, mais d'écraser d'or. Et puis, c'est M. Jovenel Moïse, évidemment, que au bagage. Et chaque fois, je viens de dire, l'opposition, les opposants politiques, évidemment, sont au chômage. Parce que quelque chose à sacrifier, je veux dire, pas gagné encore en Jovenel Moïse, président de la République, puis on dit qu'il a accusé, puis on dit, ah, c'est lui-même qui est responsable. Imagine, aujourd'hui, il continue de tuer mon matisan, policier continue de mourir, des bandits armés qui ont détourné le bus, et qui ont détourné le bus, notamment et avec, des passagers à bord. Donc, c'est le type de problème qui était existé pendant Jovenel Moïse, qui est président de la République, et ce qui continue aujourd'hui, hein, et que l'opposition haïtienne et ne dénonce pas, puis au jour on sait que c'est M. Moïse qui est responsable. Donc, c'est extrêmement grave parce que l'opposition aujourd'hui, on va aller très bien. Pendant 9 jours, l'opposition haïtienne n'a pas même compté l'idée pour lancer des manifestations. On ne peut pas faire manifestation encore. Il va faire une manifestation contre qui est-ce? Il va faire une manifestation contre Cadavran? Il va faire une manifestation contre Jovenel Moïse qui est déjà mouillé? Donc c'est extrêmement grave que l'opposition et politique agit comme ça. Donc travail opposition politique, là, c'était contre le seul monde. Mais je me dis, mon amour, quand il y a là, il y a au chômage, il n'y a pas vraiment de travail qui est fait. Donc il y a des gens de l'opposition, évidemment, qui cassent son héritage. Monsieur Jovenel Moïse fait mourir. Monsieur d'Haïti. Il s'est créé des problèmes. Problème de style là. Voilà. Oui. Mettre les kilos. Oui, oui. Alors, étant donné, monsieur, j'ai été une déclaration de défait, tout ça que tu as passé, mon unité gagné qui était mouru, et sous président Jocelyne Privert, il était dit que c'est président qui était responsable. Est-ce que, parler de bouc émissaire là, tout, est-ce qu'il n'est pas par ailleurs responsable de tout ça que tu as fait sur l'administration par là, tout? Mais bien sûr, mais ça me l'est là, je veux dire, c'est que l'opposition elle-même, l'opposition, l'État fait un travail contre un seul monde. L'État fait un travail pour la population, pour le peuple et pour le problème que le peuple a subi. Parce que je veux dire, on ne peut pas organiser. Parce que c'est exactement ça que tu as supposé faire. Tout à l'heure, là, m'a entendu M. Lecodésir qui a dit c'est extrêmement difficile pour joindre un membre de l'opposition politique haïtienne qui est impliqué dans l'assassinat de M. Jovenel Moïse. Évidemment, Mouremé réserve M. Lecodésir au fait. Ça va indiquer par un membre de l'opposition qui est impliqué dans l'assassinat. Mais, Jean, M. Lecodésir dit là, nous allons comprendre, évidemment, le fait de ne pas être préparé, il y a un plan, puis il y a un grand pouvoir après le départ ou bien après l'assassinat de M. Jovenel Moïse, c'est que peut-être il ne va pas être impliqué. Donc, l'essentiel, je vais vous dire, c'est que et l'opposition haïtienne est capable de faire un travail qui est plus conséquent, qui est plus valable, s'il n'est pas agi seulement contre un individu, le président Jovenel Moïse. On dit que tout lui manquait au petit peuple, parce que le dernier slogan c'était Tiresland, c'est pour peuple. Mais tout lui manquait nous, parce que nous ensemble de familles. Et qui, notamment, famille Moun Delma 32, qui, jusqu'à présent, a crié et n'a pas connu la justice. Certainement. Il manquait au petit peuple, et évidemment, parce que M. Jovenel Moïse est venu en bel slogan, tu restes là, et au peuple, même, même si, évidemment, son slogan qui est très dégradant, bah, tu restes là, et au peuple, c'est pas qu'il est très dégradant, mais quand même, population s'est retrouvée là-dedans. Tu restes là, et au peuple, là. Et je veux dire, il faut nous poser une question. Qui va se charger d'arracher aux oligarques corrompus les petits restes que le président Jovenel Moïse voulait consacrer à la population? Quand il reste que mon groupe de monde, un petit groupe de monde, Kimbi, c'est lui-même, M. Jovenel Moïse, qui veut racheter dans le maillot pour le bail peuple. Donc, avec l'assassinat de M. Jovenel Moïse, je vais vous dire, vous pensez que M. Jovenel Moïse manque beaucoup au petit peuple. Et puis, mais même s'il manque au petit peuple, et M. Exidor, n'a pas remarqué pas une goutte d'eau qui tombe dans la population. Parce que moi-même, je suis, évidemment, mercredi, dans la matinée, tout le monde était au suspect, il n'y a pas qu'à croire sa crivée, il n'y a pas content tout, mais il n'y a pas fâché non plus. Donc, assassinat n'a pas déclenché aucune réaction populaire. Maintenant, est-ce que
si c'est ton autre président, est-ce qu'effectivement, pas ta gagne en quantité de monde qui prend la rue, qui révolte? Donc, c'est pas ça, nous dit, ouais, et bagala te gagne, non, mais nous, tout bagaille suspect, on va comprendre sa rivière, etc. Donc, M. Jovenel Moïse dirigeait dans la confusion. Il dirigeait dans la confusion, mais il mourit tout dans la confusion. Parce que malgré qui est très fondamental, parce que nous sommes que le premier ministre a hier, Jodian qui révoqué, évidemment, parce que c'est un premier ministre a hier révoqué, il faut le souligner, et le docteur Claude Joseph, après le drame 29 juin 2021, à Adama 32 ans, M. Moïse, et en fait, docteur Moïse, docteur Claude Joseph, s'est crié. Mais l'assassinat a fait, nous, rapidement, le docteur Claude Joseph prend la parole, lui, il décontrôle la situation. Il va crier, non? Il va crier. Et malgré le docteur Claude Joseph de crier, pas de truc qui était fait au niveau de la présidence pour déplorer sa fête et Delma 32. Donc, c'était l'indifférence totale. Donc, l'indifférence de M. Jovenel Moïse nous manque aussi. Parce que son monde contagié, il y a un massacre qui fait ici, il y a un qui mourit ici, il y a un qui mourit là. M. Jovenel Moïse, en pile fois, amène son tweet pour déplorer sa fête-là. Donc, l'indifférence de M. Jovenel Moïse nous manque aussi. Mais vous parlez de même petit mensonge, il manque nous tout, oui? Qui est? Vous parlez de mensonges, des petits mensonges. Les soi-disant petits mensonges. M. Jovenel Moïse, parce que quand on a dit M. Jovenel Moïse, ça va menti. Je ne parle pas de ça, parce que c'est soit pour étendre des déclarations, M. Jovenel Moïse, c'est l'effet de bagarre qui conduit un peu du bon là, peut-être bon réalité. Ok? Mm-hmm. Ça, ça me prend, me fait réserver ça, moi, dit les soi-disant petits mensonges de M. Jovenel Moïse, nous manquons aussi. Parce que nous avons habitude avec qui mentir ça. Il y a une équipe qui mentit, c'est qu'on a fait que nous avons habitué avec eux. Par exemple, si on imite voir le président de la République là, mercredi matin, qui était sur le passé là, et c'est-à-dire mercredi, je le mourir, le 7 juillet, et que, autant d'un monde, t'as cousu, bien Moïse, qui a parlé, qui dit, mes amis, mourir, on a dit, bah, tout le monde a dit, c'est faux. Mm-hmm. Parce que, nous avons habitué avec chef l'État là, et qui te qu'on a pas menti. Mais en réalité, nous pensons très bien que j'ai dit, personne n'a pas exilé, personne n'a pas empoisonné, personne n'a pas assassiné. Ça, c'est le plus grand mensonge. Mm-hmm. Parce que M. Jovenel Moïse s'est dit qu'on n'a pas assassiné. Moi, je t'ai brûlé le mensonge du siècle. Mm-hmm. Parce qu'il s'est dit qu'on n'a pas assassiné, Dieu a assassiné. De la nuit du 6 au 7 juillet 2021, M. Jovenel Moïse, Dieu a assassiné. C'est vrai que personne n'a pas de ouais, mais il a été assassiné. Donc, il y a un grand pile de la matinée qui te dit, bon, ça, c'est un mensonge. Quand on dit ça, on a assassiné. Il y a un qui campé, il a dit, c'est menti. Ce qui est extrêmement grave, mais je connais ça, sorti frère. Jovenel Moïse, le président de la République, il a été fait la mauvaise presse pendant tout son règne, frère. Pendant toute la division, il était une mauvaise presse. On nous dit ça parce que l'équipe de communication du Palais National n'a jamais fait son travail. Il n'est pas jamais capable de sauver M. Jovenel Moïse des préjugés d'Ao selon lesquels son menteur que lui. Après le travail qu'on a fait, tout ça, M. Jovenel Moïse dit, c'est menti. Tout ça, M. Jovenel Moïse dit, c'est menti. Côté équipe de communication, il a dit, travail ça, pas jamais fait. Donc, M. Jovenel Moïse, il est avant son assassinat, son monde qui était lâché, son monde qui était abandonné, son monde qui était seul, véritablement. Ouais. D'ailleurs, c'est lui qui a fait un message du passé, vous comptez. Ah, mais d'ailleurs, c'est lui-même qui a fait un message du passé. Nous sommes pas dans le période de pays lock, il va t'en parler. Après, la sortie, il dit, bon, pas qu'on parle beaucoup, il va parler. Pendant tout le pays lock, il n'a pas jamais gagné en grain de monde. Dans l'équipe communication, et M. Jovenel Moïse, qui pour faire comprendre politique. Jovenel Moïse. C'est Chita qui était des opposants politiques, monté dans la radio, et puis dit que M. Jovenel Moïse est menteur. Nous, on a un pile acteur politique là, il y a un pile opposant politique qui était qu'on a appelé M. Jovenel Moïse menteur, qui volait. Nous, on est bagaille ça. En pile, c'est qu'on marchait dans la radio. Et bagaille ça, et la population intériorisée. Donc, il faut qu'on comprenne que M. Jovenel Moïse. Et jusqu'à présent, j'ai laissé des gens qui peut-être suspectent que M. Jovenel Moïse est son menteur.
Il y a des monde jusqu'à présent suspect que M. Jovenel Moïse mourit. Mais en réalité, on va quoi? Qu'on va dans les zones de conduit, les assassins sont dans la ville. Mm-hmm. Et les assassins sont dans la ville. Vous voyez, hier soir, ils ont publié une quantité de photos. Vous avez vu ça? Parce que nous, on a noté là. C'est peut-être nous-mêmes qui tuons. Ouais. Jovenel mm-hmm. Moïse, ouais. mes photos. Il y a pas arrêté vous, mes photos. Exactement, nous t'es là. Mm-hmm. Nous travaillons. Nous t'es là. Ouais. Nous t'es là. Parce ouais. que c'était en dedans, quand Jovenel, pour faire toutes photos là. Ouais. Donc les assassins sont dans la ville. Pour montrer politique, pour montrer propagande qui était bien autour de M. Jovenel Moïse, mais malheureusement, il n'était pas prévu oui. pour l'agir seul, et je ne veux pas, il mourit seul. Imaginons, au monde en ensemble, en dans la caillie, il mourit pas même un pétard qui tirait, pas grand, c'est seul lui-même qui mourit en dedans. Madame il va mourir, et bon, même pas de victime quand même, mais madame il va mourir, et pas même gagner un policier qui mourit en dedans, même qui blessé en dedans. Donc c'est assez grave, Jovenel Moïse a été seul. Merci bon, bagage sous ça et mettre l'excédor, qui est fondamental. Et au sens de ce tremblement de terre, pendant le tremblement de terre là, évidemment, mm-hmm. comment qui était à la mode, il y a deux mots qui étaient à la mode. Il y a une fissure et puis il y a un décombre qui était à la mode. Et docteur Claude Joseph Anispaet, dans la matinée avec un communiqué, il met son mot à la mode dans la ville là. Il est le mercenaire. Mais écoutez, ça qu'on mercenaire, maître Tudor. Un mercenaire, c'est une bête. C'est une bête payée pour un sale boulot. Mm-hmm. Voilà. C'est simplement ça. Mais maintenant, qui sont-ils les commanditaires? Moi, j'ai parlé de moi, arrêter mercenaire, mais qui sont-ils les commanditaires? Parce que mercenaire, là, il n'y a pas d'état d'âme. Il n'y a pas d'état d'âme. Pour balon compte pour son travail, pour l'assassiner tel monde, l'assassiner. Point barre. Mais qui sont-ils les commanditaires? Je ne veux dire, tout le monde est bien mercenaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Mm-hmm. Moi, je répète ça, mercenaire là, bon, c'est peut-être pas la bonne définition, mais moi, de mon lieu d'observateur, moi, je dis que mercenaire là sont bêtes, qui ont payé, qui ont fait un sale job. Et ils font un sale job là, mais qui est-ce qui va le cobla? C'est ça qu'il faut aller chercher, donc il faut aller chercher les commanditaires. Donc, M. Jovenel Moïse nous manque beaucoup, parce que nous connaissons aujourd'hui, et on toujours dit l'histoire fait vivre. Donc, le président Jovenel Moïse, c'était un extra. C'était un homme, ça, président Jovenel Moïse, un vendeur d'espoir, qui t'a fait peuple vivre malgré tout assassinat qui était fait pendant réunion. Donc, il nous manque dangereusement. Mm-hmm. Merci un peu, Robinson d'Haïti. Merci infiniment, M. Tudor. À demain, matin, débat. Voilà. Merci un peu, Robinson d'Haïti, donc, pour l'éditorial de ce jeudi 15 juillet. 2021, alors justement, alors dans ça que Omenson dit, hein, vous connaissez dans le premier jour, dans la première heure, les premières heures, Gédémon dit pas de quoi, Jovenel Moïse mourit. Et comme si c'était lui qui a annoncé une nouvelle là, comment le t'a fait annoncer une nouvelle là? Ça fait me songer à la police qui dit Bon, eh bien, bon. Même si nous ne disons pas balle, mais bon, nous allons répondre. Nous là. Je viens de mourir. Mais c'est mourir. Il a assassiné. En tout cas, je vais dire tout bas. Mais c'est bon balle. Non, nous avons crié, puis m'a crié, monsieur. Nous avons pris un coup. Nord-Ouest prend coup. On connaît généralement Nord-Ouest pas parler vite, ne pas faire réaction vite. Mais alors, là nous t'as parlé ici, nous t'as dit moi ça c'est plus qu'un assassinat, c'est sacrifié, monsieur. Oui. C'est ça nous t'as dit là, mais comme maintenant nous t'as interprété question. Les photos vous voyez. Oui, vagabondage. Je vais interpréter. Moi, je pense que vos photos,
émotion qu'a fait mon nouveau émotion le monde n'a pas être sous cadavre là il a dit oh parce qu'il pas il pas jamais quoi si c'est dans état ça je suis sacrifié c'est gourmand mais ouais son équipe gourmand l'eau image là l'eau pas tant sous image là on manchette moi ouais on coup de couteau on coup de gros couteau l'anglamé on est la l'armée nèg qui ne commande ça autour gien couteau dans mais ouais ou gien impression c'est pareil la pareil quoi oui. Mais vous comprenez néo chaque monsieur parce que léo tirer sur monsieur en pile balle monsieur en balle la vrai d'ordinaire depuis en pile policier en pile nèg qui dans gang comme ça gien nèg qui ordinairement pas prendre balle pour matin et léo pas prendre balle comme ça léo pas percer comme ça faut que blesser moun là laisse ça blesso. Après ça, on perce correctement. Et ça, et ça fait que tout. Alors, selon moi-même, en fait, ouais. Tout. Blessure, ça. Blessure. Il a tiré sous lui. Il a boulé le doigt. Ok. Il a tiré sous monsieur, j'ai l'impression. Parce que, il y a pile de monde qui a tiré sur lui. Il n'a pas percé. Okay. Et puis, les policiers ont gardé le doigt. Il n'a pas percé. Il a râlé le couteau. Et ça, il a pris le machin à couteau. Il a râlé le couteau. Il a percé. Les gens ont percé. Il a pris le sort pour balle. Ok. Bah oui, image horrible en pile. Oui. Ah oui. En pile. Mais horrible en tout cas. On va regarder pour un poète président. Oui. Un gros macro gros trou. Et le genou tout. Oui. Genou. Pantalon tout foncé là avec viennent. Avec viennent. C'est au Brésil. En tout cas donc c'est vraiment donc on sacrifice. Alors là Ismaël Valiste était intervenu. Il était avant cette thèse que monsieur pas passé à son vérité. Son vérité, son vérité. Son vérité. Pierre Martin comment nous? Comment on te dit les gens qui prennent balle là, ça dame te dit policier là. Moi balle. Mais c'est même l'hôpital. Nous là. Mais qu'on s'en prie. Et police a couru. Moi balle. Pour une l'hôpital, monsieur. Mais c'est l'hôpital, mais l'hôpital. Moi balle. Alors, interprétation Esaïe fait. Moi, depuis la machine, je m'appelle d'interprétation Esaïe. Et puis, les gens vont bam pour. Pour me guetter un ouvert Bible, je cherche un proverbe qui est approprié. Alors, ouais, Isaïdou, il sentit le président pas de prendre balle. Donc, si le président pas de prendre balle, d'après Isaïe, qui est ancien policier, il n'y a pas de percé. Et pour être là, José dit, il semblait, c'est le monsieur. Le y a petit couteau et puis monsieur pas pour être là donc, et puis le bon couteau là t'es bon c'est pété t'es bon côte pété nous imaginez t'es bon gourmet nous allons regarder dans la Bible dans verset 17 alors c'est proverbe 17 verset 14 mais ça le dit dans cas ça les impétés mais ça pour faire Proverbe 17, verset 14 l'a dit. Là, on compte pété. Là, on compte ouais, zin pété. Là, on compte pété. Qui ça pour faire? Eh bien, là, on compte pété, c'est un coup de l'eau qui casse 10 canals. Alors, si on ne pas mon endé, il ne peut pas comprendre le proverbe ça. Là, on zin pété. Là, on compte pété, on zin pété. Là, on zin pété. C'est quand on digue canal. On de l'eau qui pète, on digue. Oui. Ouais. Maintenant, si vous n'avez si ouais. Pas petit ou à gauche, non, mon technicien, Jean Bagay, il n'y a pas de lever dans le jardin, il n'y a pas de comprendre digue canal. Digue canal. Eh bien, bon, expliquez-nous digue canal. Alors, digue là, c'est drain. Il y a des côtés où il y a le drain. Oui. C'est pour que vous n'avez pas de drain. Drain, c'est de gros canal, OK, que vous faites et pour capable de canaliser de l'eau. Voilà. Eh bien, Loukoban, nous avons une idée. C'est drain ou bien digue. Soit on a la cour ou c'est mon en dehors. Alors, dit canal là, c'est parce que canal c'est avec terre battue. C'est terre battue. Ouais, c'était. La boue. Maintenant, l'eau avec la boue. Lorsqu'une fouille canal là, vous mettez terre à côté. Très bien. Pour barrer de l'eau. Barrer de l'eau. Mais c'est lui qui les digue là. Très bien. Hein, gen de côté tout, de l'eau font tirer à vigne, vous mettez terre, vous mettez terre. Pour empêcher de l'eau déborder. Eh bien, vous dites, eh bien, dans le cas ça, les impétés ou bien contre pété, c'est un coup. L'eau qui cassait du canal. Maintenant, l'eau de l'eau a fini avec force. Digue-là, pas gagné assez fort. Et pour elle, la pété pour le gagner. Maintenant, soit fait jardin, louco, et puis on va brousser. Très bien. Et vous connaissez, digue canal, et puis, surtout sous pays de l'eau par un. Par un, très bien. Ou obligé de gagner deux, trois nègres, chapeau.
C'est ça. Avancez un peu. Chapeco. Avancez un peu. Donc